Et salut tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Paper Mario. La dernière fois on avait visité le village Krag. Village Krag parce que on avait entamé un nouveau chapitre. Donc le chapitre 5 je crois. Donc le village Krag. Et du coup on était parti à la recherche des Florosapiens qui avaient enlevé les habitants du village Krag. Donc on est parti, il faut vite aller les secourir parce que sinon je pense que on ne pourra plus rien pour eux. Et on a trouvé une pêche. Super, dis donc. Je pense que là, sans cette pêche, je ne vois pas comment je pourrais terminer ce chapitre. Alors, super, donc la plante la plante piranha, pas la plante carnivore, n'importe quoi. Oh! Ça, je vous en avais parlé, vous vous en souvenez? C'est c'est des ennemis qui donnent 3 milliards de pièces. C'est un peu les... Ah, comment dire? Attends. Picou, viens. Ouais, Picou il sert à ça en fait. Picou il sert à ça. C'est le gars qui juste là pour dégager ses ennemis. Il nous donne 3 milliards de pièces. Oh, une prêle. Bah tiens, on en avait utilisé une dans le dernier épisode. Autant la récupérer là. Alors, oh ben voilà. Voilà, je l'ai tué et regardez combien il nous a donné de pièces. Super. Alors ça franchement, je suis vraiment super content. Comme ça je vous aurais montré, je crois que la dernière fois que j'en avais vu un, je sais plus si c'était au Fort Francis. En tout cas c'était dans ce chapitre là je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, bien sûr, les Florosapiens. Bien entendu. Et du coup, bah, ils sont partis dans ce tuyau. Bon, pas de soucis, ça je peux... Ah bah, on va avoir du mal à pousser ce bloc. Ils ont disparu dans ce tuyau. Et ouais. Oh, meurs toi. Oh bah super, encore une prêle. Et dis donc, c'est le chapitre des prêles hein. Je sais pas vous, mais franchement les prêles j'en ai eu 3 milliards. Alors ça, y a pas, non, y a pas de truc en dessous. Ici y a pas. Ah bah voilà, j'en étais sûr. Alors, on peut pas le taper. Hey. Yo. Tiens, on va utiliser Bombi. Madame Bombi. Alors je sais pas si c'est les pixels ont un sexe, si c'est des garçons ou des filles. Ouais, je pense qu'ils sont asexués hein, comme les légendaires dans Pokémon. Je sais pas du tout. Ouais, enfin parce qu'il y a vraiment des pixels de leur fonction. Enfin je dirais, enfin non franchement ouais, ceux qui sont asexués je dirais ouais. Oula, comment ça se fait que ça vole ça, dis donc. Alors tiens, toi tu meurs. Petit Poki. Alors les Poki, ils peuvent nous empoisonner. C'est les premiers ennemis qui peuvent nous empoisonner qu'on voit à ce jour. Quoique, je dis peut-être une bêtise. Mais ils nous donnent pas d'objet spécial, donc ça sert à rien de les voir. Alors, du coup. Oh, un Drakinus. Mais rouge cette fois-ci. Un Drakinus rouge. C'est rare. Alors, on l'a tué. Oh, 5. Enfin, ils ont 10 de PV, donc c'est pas. C'est pas les ennemis les plus forts du monde, quoi. Voilà, octotumeur. Ok, bon. Ouah, j'ai failli sauter sur le fléau. Je sais pas ce qu'il faisait, lui, mais en tout cas, je veux pas le savoir. Oula, il y a 3 milliards de blocs. Je vais tous les taper, on va voir. Alors, ça, oh, une fleur lourdeau. Bon, super. Super. Oh, un champi. Alors, je crois que... Ah, voilà. En fait, quand on est sous l'effet d'une fleur... Ça, tout ça, ça, comment dire, elle, tout simplement, elle, ah bah on est revenu à la normale, bah c'est logique en même temps, oui donc, qu'est-ce que je voulais dire, ah oui quand on est sous l'emprise d'une fleur, du coup, elle double nos points, nos scores, notre XP en fait, elle double notre XP, donc ça c'est pas mal, si par exemple quand vous tuez beaucoup d'ennemis, surtout les Drakinus, là j'aurais dû les tuer avec la fleur, mais bon, je l'ai pas fait parce que bon, voilà, j'ai complètement oublié, j'avais oublié ce détail. Allez, purée, oh. Et en plus il y a l'autre là, il va mourir. Reviens là, champignon, redonne-moi tes pièces. Bon, heureusement que je cours plus vite que lui. Viens là, vite, mais tu vas mourir. Oh, c'est bon. Bah voilà, on l'a tué. Bon, ça va, il nous a donné 2 pièces, genre. Je pense qu'il nous donnait plus, dis donc. Bon, alors, du coup, toi, on va appeler Transport. Transport, c'est mieux, transport. Et du coup, on va utiliser ça. Enfin, on va prendre ça. Et ça va être super cool parce que on va pouvoir avoir gavé de pièces. Waouh, plein de pièces, mon dieu. C'est la richesse. hop.
Tac, 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 super, les petites pièces. Ah, il y a un truc derrière. Ah, bah non. Non, 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 je suis bête. Bah non, puisqu'il y avait du bloc. Ah, tiens, 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 tiens. On m'avait dit, les mini Mario, vous vouliez les voir avec Bowser. Et du coup, voilà, c'est comme ça, ils sont comme ça avec Bowser. C'est les, bah, c'est les vieux designs de Bowser, tout simplement. Et en plus, ils vont rester avec nous le temps qu'il faut. On dirait une chanson, on dirait le titre d'une chanson. Alors, toi, tu passes là. C'est vraiment difficile de dodger les murs avec les mini Mario, enfin les mini Bowser du coup. Alors, et dans ce chapitre, ce qui va être cool, c'est que, en fait, c'est bizarre ce truc, on va devoir, en fait, trouver des statuettes. Et donc, du coup, voilà, regardez, cette première statuette, on a besoin de Bowser, tout simplement, voilà. Parce que c'est une statuette de flamme, tablette de feu, le symbole du feu est gravé dessus. Pourquoi, comment j'ai deviné ça? Tout simplement parce que ça fait ça fait référence à une cheminée. Du coup, vous êtes obligé de... Bah, le seul personnage qui nous fait des flammes, c'est Bowser. Et même les pixels... Enfin, il nous... Oh, ça fait trop peur. Il fait trop peur, cet ennemi. Oui, donc on peut pas faire de flammes avec... Bon, enfin, les pixels ne peuvent pas créer de flammes, donc c'est que Bowser qui peut. Qui puisse. Enfin, je crois qu'il puisse ou qu'il peut. Qui puis. Non, je sais pas du tout. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Alors, toi, mon gars, bah, tu vas te faire attaquer. Voilà, super. Oh, bah, tiens. Voilà, tiens. Oh, encore une prêle, quoi. je vais me nourrir de prêle jusqu'à la fin de mes jours. Ça va être super. Alors, ici. En fait, et donc, du coup, dans ce chapitre, il va falloir trouver des tablettes. Donc, des espèces de reliques ancestrales. Des reliques ancestrales, oui, ancestrales, des reliques ancestrales, ça se dit. Je savais même pas qu'il y avait un bloc ici, mais bon, écoutez. Ça me semblait bizarre d'avoir un truc tout en haut pour rien faire d'autre qu'avoir une vision. Et voilà, c'est là. Super. Et donc, comme vous le voyez, on va devoir poser des tablettes. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent là? Le symbole du feu est gravé dessus. Non, ça, c'est. Attendez. Non, mais on peut pas savoir si c'est une tablette. Bon, écoutez, la tablette du feu, on la foutre ici. Le temps qu'on trouve les autres. Parce qu'il y en a trois, en fait. Il y a trois tablettes, et du coup, on va devoir les trouver. Alors, là, il n'y a rien du tout, donc ça a rien d'y aller. Oh, ah ben, un ennemi qui nous endort. Ça fait longtemps qu'on les a plus vus. C'est vrai, hein. Ça fait longtemps qu'on les a plus vus, donc super. Ah, oh, tiens, regardez. Super, du siroforme. Alors, tac, 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 Picou, on va utiliser, tac, toi tu meurs, voilà, ah, ils ont pas 10 PV, ah, ils en ont 20 en fait, ok, c'est des warriors ces ennemis là, et donc voilà, regardez, même sur, en fait, ces espèces de télé vont nous aider à trouver, trouver les tablettes, à trouver avec ces éléments, à créer des tablettes avec les éléments. Tu vois, par exemple, ici, on voit que il faut couler, en fait, il faut tomber dans l'eau. Ah, on se montre enfin, c'est pas trop tôt. Oula. Oh, Grablarg. C'est vrai, monsieur Astagne, on avait fait poireauter comme ça, on m'avait pas fait poireauter comme ça depuis un certain rencard avec une donzelle. T'as voulu me déconcentrer, c'est ça? Tu veux pas la jouer réglo? Ben ça marche pas. Tu croyais que le vieux monsieur Astagne se ferait avoir comme un bleu? Oh, je crois que tu te fourvoies. Grablabla. Fourvoie, c'est même pas un vrai mot, cafard volant. Ça parle trop et ça castagne pas assez par ici. Je vais m'occuper de vous et vite fait. Tu sais très bien comment ça va finir, laisse-nous passer. Tu te prends pour qui, petit ver luisant? Je demande des excuses écrites. Je vais te épeler et excuse. Bah tant pis pour les excuses, c'est l'heure de la castagne. Ok. Salutations, monsieur Astagne. Oh, Dimensio, toi. Ah, nous croisons encore comme deux vikings barbus sur un drakkar en perdition. Qu'est-ce que tu veux, Dimensio? J'ai besoin de personne, tu vas tout faire rater. Ah, pardon, mille fois, pardon. Loin de moi cette idée, très loin de moi. Je rendais visite à une connaissance dans la région. Je passais juste dire bonjour. Dire bonjour, hein. Rien de plus, et en te voyant, je me suis dit, tiens, ma magie pourrait lui être utile.
Ouais, mais la magie de Dimensio, mon... Ah, encore cette dimension, là. Oh là là. Mais sois tranquille, je ne vais pas m'imposer. C'est ton combat, cher ami. Ciao. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, j'ai pas vu le pas. Ça m'a l'air pas mal. Je me suis peut-être trompé sur ce type bizarre. Bref, vous allez morfler. Voilà un nouveau monsieur Astagne avec castagnage amélioré. Oui, et donc Dimensio, quand j'étais petit, je pensais que moi que c'était une fille. Mais finalement, non. Comme je ne lisais pas les dialogues, je croyais que c'était une fille. Donc écoutez, on en apprend toujours. Hein. C'est que récemment d'ailleurs que j'ai appris que Dimensio était un garçon. C'est d'ailleurs grâce à Ningapo, enfin à l'IS. Voilà, je pense que vous connaissez tous l'IS. Enfin, tous, non, mais pour ceux qui suivent, qui ont suivi tous mes épisodes de Splatoon, vous devez connaître l'IS. Grabla, non! Et d'ailleurs, l'IS, si tu passes sur dans cette vidéo, enfin, si tu passes, tu regardes cette vidéo, un petit coucou à toi. Ça fait deux fois, et c'est déjà deux fois de trop. Je tourne à la suite. Je suis un peu fatigué. Je peux le dire au comte, je suis pas digne de lui, achève-moi, je vaux plus rien. Waouh, c'est bien vrai, je vais bien m'en charger, moi. Vas-y, je suis sérieux, j'ai pas de regrets. Ouais, peut-être un, j'aurais voulu faire ma déclaration à cette donzelle. Mais non! Un guerrier ne doit pas parler comme ça quand l'heure de son game over arrive. Allez, fais-le, maintenant, game over, mon vieux monsieur Astagne. Salutations, monsieur Astagne, tout se passe bien? Ah oui, c'est fait des... Enfin, salut Dimensio. C'était bref, hein, comme combat. Dimensio, c'est un peu personnel, tu vois. Tu pourrais nous laisser? Oui, bien sûr, je comprends. Tu dois laver ton honneur, n'est-ce pas? Mais mon cher monsieur Astagne, avant le game over, laisse-moi te montrer une chose. J'ai quelque chose qui pourrait te plaire. J'aimerais vraiment que tu l'essaies. Bouffon dérangé, c'est pas le moment de... Oh, pas le moment de faire quelque chose pour le compte Niark? Oh, pour le compte, hein? Ouais, ça peut peut-être m'intéresser. Ok, top là. Et les nazes, je suis un bon hangar. Alors je vais vous laisser partir, vous avez de la chance là. Mais je vais vous dire, faut bien vous entraîner parce que la prochaine fois, quick. Quoi? Il y a 2 minutes, tu pleurais sur ton sort parce qu'on t'avait battu. Hé, ferme-la, je dois ma vie au compte et je peux pas faire game over sans sa permission. J'ai flanché par ma barbe, c'est la dernière fois. Je réfléchis trop, c'est pour ça. À partir de maintenant, moins de réflexion, plus de gnons. J'oublie le passé, tout ce qui compte, c'est le futur avec le compte Vlatou. Je m'en vais maintenant, je vous mets un bon castagnage de côté pour la prochaine fois. Je me castagne. Ah, il est temps de partir, ciao. Et voilà, toujours la délicatesse de Monsieur Astagne. Ça fait longtemps qu'on l'a plus battu d'ailleurs. Hein. Pouf, je suis pas digne de... Je suis pas digne, je suis nul. Quel gros pleurnichard. Ouais, t'as raison Bowser, pour une fois je suis d'accord avec toi. Là il y a des ennemis. Ah d'ailleurs, oh, on peut pas les tuer. C'est vrai qu'il faut casser leurs coquilles. C'est des... Ben, ça doit être des bruits insectes. Des bruits insectes anciens peut-être. Alors là... Là, je me souviens, c'est un Yoshi. Et en fait, ce Yoshi, pour avoir donc la tablette, il faut faire un tour de lui. Voilà, il faut faire un tour sur lui. C'était marqué dans l'ancien chapitre. Dans l'ancien niveau, donc dans le précédent épisode. Si vous regardez bien les télés qu'il y a... Vous verrez qu'il y a un moment une télé qui dit faites le tour d'un espèce de pylône. Et en fait quand on est en mode 3D ça devient un Yoshi. Donc voilà, il fallait faire le tour pour avoir la tablette solide, je crois que ça s'appelle. Donc on va avoir un peu tous les éléments. Parce que là, vous voyez, on va avoir l'eau bientôt. Mince. On va avoir l'eau, on a eu le feu et là on a la pierre du coup. Donc les 4 éléments, il nous manque plus que le vent. Voilà. Et la foudre peut-être. Si pour ceux qui ont regardé les 7 éléments. Non, les 5 éléments. 7 éléments ou 5 éléments? Je sais plus. Quel est le nom de ce film? Je sais plus du tout. D'ailleurs, en plus, c'est un super bon film. Mais il faudrait que je le regarde. Mais je sais plus du tout comment c'est. Ouais, je sais plus du tout. Bon, alors. Du coup, nous, on devait aller Enfin, on devait déjà trouver. Trouver la tablette aquatique. Du coup, bah, elle doit être là, je pense. Voilà, on va aller là. On va aller dans le prochain plan. Ah, on peut aller dans le volcan?
Ouais, il y a quelque chose. Ah, et là, on a la solution, d'accord, ok. Donc, solide au feu. Ok, solide au feu. Oh, c'est logique en même temps. Alors, tac, on prend les pièces, hein, toujours. On est avare. On n'a même pas besoin de sauter. Pourquoi je sautais, alors? Je suis bête. Bon, alors. Super, bon. Écoutez, je prends des dégâts, c'est pas très grave. On va pas en faire un fromage pour ça. Solide au feu, hein. N'oubliez pas les amis, hein. C'est très très important. Alors, toi. Tac, tac, tac. Ici. Voilà, il y a un truc derrière, j'en étais sûr. Ah, ben voilà, elle est là. Ah non, c'est la tablette. Non, soda, super soda champide. Ouais, c'était pas la tablette, je me disais, c'était trop c'était trop bizarre pour avoir la tablette. Non, non, parce que la tablette, on la trouve dans dans l'eau, en fait. Mais l'eau, je sais pas où elle est, en fait. Donc, faudrait que je trouve, enfin, je trouve où c'est. Alors, solide au feu, hein, on avait dit. Donc, on va retourner en haut. Ah, c'est pas d'ailleurs là. Attendez. Ici, on avait eu la tablette feu, je crois. Oui, c'est ici qu'on a vu la tablette feu. Ici, il n'y a rien du tout. Donc, à mon avis, la tablette eau doit se trouver dans l'ancienne porte. Bon, ben voilà, excellent, excellent. Voilà, j'avais qu'à réfléchir un peu plus. Alors, et du coup, la tablette eau, la tablette d'eau, le symbole de l'eau est gravé dessus. Bon, super. Oh, sérieux. Alors là, voilà. Oh, putain, ça va être très, très difficile. Parce que, en fait, le... Oh, un chip-chip. Un chip-chip en plus qui peut aller dans le mode 3D. Sympa. Oui, donc l'animation aquatique des personnages, c'est très très bizarre. Hein. Il faudrait... Enfin, voilà. Pour aller dans l'eau, pour sortir de l'eau et aller dans l'eau, c'est vraiment très très bizarre dans ce Paper Mario. Hein. Quoique, bah, pas dans tous les Paper Mario, on peut aller dans l'eau. Hein. Alors, bah, dans celui-là, il y a un moment... Bah oui. Il y a même un chapitre où on est carrément dans l'eau. C'est le chapitre de Francis, vous vous en souvenez, avec le Mega Bloops, si vous en souvenez. Il y a même après, hein, dans les prochains chapitres, un moment on va devoir aller dans l'eau pour une quête. Enfin, non, pour une quête principale, même très très importante. Paper Mario 2, j'ai pas. Non, parce qu'on peut pas aller dans l'eau. On peut avoir une transformation de bateau, mais on peut pas aller dans l'eau. On peut pas aller dans l'eau. Color Splash, on peut aller dans l'eau. Paper Mario 1, je crois qu'on peut aller dans l'eau aussi. Mais c'est à voir. Hein. Quoi? Oh, attention. Eh-ho! Eh-ho, eh-ho. On rentre du boulot. Eh-ho, salut toi. Waouh, pas de réponse. Alors, tu m'ignores? Ou ça voulait dire oui? Bon, allez, j'y retente le coup. Eh oh, parle-moi! Non. Super, ça faisait longtemps que j'avais pas... le gars, tu lui mets un gros vent. Il te parle comme si on était déjà potes, quoi. Ça fait super longtemps que j'avais pas causé avec quelqu'un. Une éternité! Faut dire ce qu'on pense aux gens. Ils peuvent toujours pas deviner, tu sais. Ils peuvent toujours... Ah, attendez, j'ai pas compris. Ils peuvent pas toujours deviner, tu sais, ok, d'accord. Alors, écoute, j'ai une question. Tu as une devise, pas vrai? Alors, dis-la moi. Oh! Ah bah, ma devise, c'est un petit cœur, parce que j'adore l'amour. Et en plus, c'est bien, c'est les... Au moment où je tourne, c'est la Saint-Valentin, du coup. Voilà. Et tu vas me trouver à son nom, mais c'est trop court pour une devise. Exprime-toi! Eh ben, cœur. Voilà. Je vais pas enfoncer le clou, mais c'est un peu trop long, ça. Une devise, ça doit être concis. Bon, voilà. On va rien marquer. Ah non, on est obligé de marquer. Alors, un petit cœur, voilà. Je vous aime beaucoup, les abonnés. Je vous aime. C'est ma devise. Oh oui, parfait, j'adore. Ah bah oui, tu adores, c'est des cœurs, c'est normal. Quelle inspiration, quelle énergie, ça me touche droit au cœur. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Il nous a donné. Qu'est-ce qu'il fait? Cœur. Voilà, c'est ta devise. Ta philosophie, quoi. C'est bon, ça assure. Ça en dit long sur toi. Ce qui te motive dans la vie, c'est énorme. Bah, c'est surtout l'amour qui me motive.
Je m'étais pas senti aussi bien depuis que je suis devenu un pixel, tiens. Faut pas que je lâche cette sensation, alors je te lâche plus. Et voilà, nouveau pixel rejoint notre équipe, tap tap, le pixel marteau a rejoint votre groupe. Laissez tomber cette tête dure sur vos ennemis pour infliger un max de dégâts. Il peut même briser d'énormes blocs jaunes. Et voilà, c'est un pixel qui va nous servir deux fois dans l'aventure. Yes, assure, je pète la forme, j'explose de joie. Bon, voilà. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les pixels, c'est des aptitudes qu'on avait dans les anciens Paper Mario, par exemple. Je sais que, tap tap, par exemple, on avait un marteau, même dans Color Splash et tout, on avait un marteau. Et ben, c'est ce pixel qui nous donne le marteau, du coup. Il fallait bien qu'on reprenne toutes les aptitudes qu'on avait dans les anciens Paper Mario. Par exemple, dans Paper Mario 2, quand, pour casser les blocs jaunes, il fallait tout simplement qu'on ait un marteau 2004, je crois. Oui, parce que le jeu était sorti en 2004, c'était une... Oui, je me comprends. Oui, mais ok, je vois. Il y avait un truc là-bas. Je vais utiliser ma petite princesse Peach, ma copine. Alors, Peach, rends-toi utile. Vol. Super Peach. Alors, voilà. Et du coup, il y avait quelque chose. J'aimerais bien avoir... je sais qu'il y a des cartes attrape de pixels. Ça existe, hein. Je sais que... bruit rock. Ah ben voilà, ça s'appelait comme ça, les bruits insectes où il fallait casser leur carapace. Et du coup, voilà. On a terminé ce chapitre. Enfin, fin du chapitre. Oui, on a terminé ce chapitre. Et voilà, super. Voilà, là, c'était un de mes niveaux préférés parce que j'aime beaucoup le fait de ramasser des items et après les poser sur un socle. C'est vraiment sympa, je trouve. Oubliez de sauvegarder votre progression, bien sûr, bien entendu. Alors, après avoir vaincu Monsieur Astagne, Mario et ses amis suivirent les Floro Sapiens dans leur grotte. Était-ce bien là le repère des kidnappeurs? Waouh, c'est sombre et étroit. Et qui m'a donné un coup de pied? Ah, désolé, c'était moi. Nos héros suivirent la longue galerie n'ayant que leur propre écho pour compagnie. Alors qu'ils cherchaient leur chemin à tâtons, ils virent la lumière au bout du tunnel. Ils avaient enfin atteint le cœur de l'antre des Floro Sapiens. Les crânions kidnappés devaient être quelque part dans les parages. Et voilà le chapitre 5-3 du coup. Un crack dans la nuit. Et voilà. Eh ben super, donc la prochaine fois on va aller dans les cavernes floraux, on va peut-être trouver les crânions qui ont été kidnappés, on verra ça la prochaine fois. Alors les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, et avec tap tap, voilà le nouveau pixel qui nous accompagnera jusqu'à la fin de cette aventure, et d'ailleurs on fait une magnifique danse, hein. Tap tap, il est vraiment super cool, voilà. Donc moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez continuer à suivre les épisodes de Super Paper Mario. Et moi, je vous dis bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.